Elisabeth Vigée-Lebrun est l'une des rares femmes artistes qui soit encore un petit peu connue du grand public, mais il ne faut pas imaginer qu'elle a été la seule de son temps. Avant elle, il y a un certain nombre de femmes qui s'imposent dans le domaine de la peinture. On pense par exemple à Madeleine de Boulogne, qui va travailler pour Louis XIV. Et puis le XVIIIe siècle va être vraiment un siècle éminemment féminin et favoriser la présence, l'émergence de ces femmes. L'exposition qui est aujourd'hui donc au Grand Palais réunit environ 150 de ses œuvres et on constate qu'elle a été avant tout une portraitiste puisque depuis les toutes premières œuvres, lorsqu'elle a moins de 20 ans et où elle prend pour modèle les membres de sa famille, sa mère, son frère, sa domestique, et bien jusqu'à la fin de sa carrière, donc jusque dans les années 1830, elle va s'adonner essentiellement à l'art du portrait. Alors ce succès qu'elle a connu dans l'art du portrait, elle le doit à cette façon que les portraitistes français ont de légèrement tromper la nature. C'est vrai que lorsqu'on regarde tous ces modèles, alors d'une part, elle choisit essentiellement une clientèle de jeunes femmes. Il y a très très peu de modèles âgés dans son œuvre. Et du coup, elle a cet attrait pour la beauté physique et qu'elle va légèrement sublimée en effaçant les défauts, en créant des visages extrêmement souriants, heureux. C'est l'une des premières, mais ça n'est pas la première, à représenter les dents de ces modèles, ce qui était très très peu courant pour l'époque. Et c'est donc cet art de séduire, de plaire, de donner une image gratifiante de ses commanditaires qui va, bien entendu, lui ouvrir les portes de Versailles. On sait qu'elle a commencé à travailler tout d'abord dans le cabinet du roi, qui était un atelier qui était rattaché à la direction des bâtiments, l'ancêtre de notre actuel ministère de la Culture, qui se trouvait à Versailles, dans les bâtiments de la surintendance, et qui avait pour donc mission de reproduire les portraits des membres de la famille royale, parce qu'à l'époque, on offrait très régulièrement ces portraits alors, aux grands visiteurs étrangers, aux ambassadeurs, ils symbolisaient la famille royale. Et donc, grâce au compte des bâtiments du roi, grâce aux listes que Madame Vigée-Lebrun a pris soin de dresser des œuvres qu'elle a exécutées tout au long de sa carrière, eh bien, on sait que dans les années 1775-1776, elle peint des portraits du comte et de la comtesse de Provence. Dans un premier temps, ce sont des copies, c'est-à-dire qu'elle n'invente pas la composition, elle n'a pas accès au modèle, elle reproduit des œuvres qui ont été peintes par d'autres. Et puis très vite, eh bien, elle obtient une première séance de pose du comte de Provence et de la comtesse de Provence. Et ce sont très certainement ces deux premiers portraits qui vont inciter la direction des bâtiments, peut-être le beau-frère de la reine, à dire que cet artiste manifeste un certain talent dans l'art du portrait. Et donc, elle reçoit en 1778 la commande d'un grand portrait officiel de Marie-Antoinette. La reine, depuis des années et des années, cherchait à identifier, à trouver le portraitiste qui lui donnerait totale satisfaction. Et elle n'avait pas encore vraiment trouvé l'artiste qui réussissait à saisir ses traits d'une manière assez ressemblante. Elle écrit peu de temps avant que l'on passe la commande à Madame Vigée-Lebrun que les peintres la tuent et la désespèrent, parce que c'est vrai qu'ils se succèdent les uns après les autres sans vraiment donner une image réaliste du visage de la souveraine. Donc c'est une première commande extrêmement importante pour Madame Vigée-Lebrun qui obtient une ou plusieurs séances de pause, ça c'est toujours très difficile à dire parce que la reine a un emploi du temps extrêmement chargé et donc elle accorde peu de temps aux artistes. Et donc le peintre va réaliser, va exécuter un très grand portrait particulièrement officiel où la reine est représentée en grand habit de cour avec une robe à grand panier dans le cadre d'un palais et à l'arrière de la composition on reconnaît aisément le buste de Louis XVI. Donc c'est une œuvre qui s'inscrit totalement dans la tradition des portraits royaux tels que on les avait peints à Versailles depuis l'époque de Louis XIV. La reine est encore
très réaliste. Lorsqu'on regarde de près ce visage, elle a encore le nez Habsbourg, les yeux légèrement exophtalmiques, la lèvre inférieure un peu plus épaisse, le menton qui présente des signes de prognatisme. Et donc, elle a respecté l'aspect qu'avait le visage Habsbourg. Et malgré cela, eh bien, cette œuvre est envoyée à la cour de Vienne, à Marie-Thérèse, qui attend depuis des années de voir une image de sa fille, parce que c'est vrai que lorsqu'elle a quitté Versailles, c'était encore une enfant, et donc elle a considérablement évolué, elle s'est transformée physiquement, et Marie-Thérèse n'avait plus aucune idée de l'aspect que pouvait avoir Marie-Antoinette. Et donc, lorsqu'elle reçoit le portrait à Vienne, eh bien, elle est enchantée, parce qu'elle a enfin cette image qui lui permet de connaître l'aspect de sa fille. Alors, c'est une œuvre qui va décider de la carrière de Madame Vigée-Lebrun, parce qu'elle va lui permettre, bien entendu, d'avoir accès au cercle de la cour, qui du coup va lui passer commande. Mais contrairement à ce qu'elle peut laisser croire dans ses souvenirs, puisqu'on a la chance d'avoir un texte écrit de la main de Madame Vigée-Lebrun qui raconte sa vie, eh bien, il n'y a pas immédiatement, ou il n'y aura même pas du tout, de proximité entre la souveraine et la portraitiste. Parce que si on prend les faits, eh bien, on se rend compte qu'en 1978, elle peint ce portrait, mais qu'ensuite, elle est obligée d'attendre 1783 pour recevoir une nouvelle commande. Donc il y a pratiquement 5 ans qui s'écoulent. Là, pour cette nouvelle commande, elle reçoit une nouvelle séance de pose et elle représente une Marie-Antoinette qui est encore assez fidèle à la réalité. Mais elle la représente vêtue avec une robe en gaule, donc ces robes à la créole, ces robes qui sont extrêmement flottantes et qui donnent beaucoup de liberté au corps. Et ce portrait est exposé au salon. Et là, il va faire un énorme scandale parce qu'on n'est pas du tout habitué à voir une reine de France en déshabillée, en robe d'intérieur. Une reine de France, elle doit paraître de manière officielle. Et la critique est si violente que du coup, l'administration demande à Madame Vigée-Lebrun de retirer son tableau et d'en peindre immédiatement une nouvelle version. Et elle va peindre le fameux portrait de Marie-Antoinette à la rose qui va être exposé au salon pour remplacer le portrait en gaule. L'exposition est l'occasion de se plonger à la fois dans l'œuvre, en découvrant les tableaux, les dessins, les pastels qui sont réunis exceptionnellement à Paris, mais aussi de se plonger dans toute la littérature qui a été publiée autour de cette exposition. D'une part, le catalogue, qui fait le point sur justement cette production artistique de l'artiste, mais aussi toutes les éditions qui sont parues de ses souvenirs. Et c'est vrai qu'il est indispensable d'accompagner la visite et la lecture du catalogue de la lecture des souvenirs, parce que là, on pénètre le monde d'Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, on découvre ses affinités, on découvre cette vie complètement extraordinaire, parce qu'à partir de 89, elle prend les chemins de l'Europe et elle va pendant 12 années passer de cours en cours pour exporter son art et rendre encore plus populaire l'art du porté français.